on rêve qu'on puisse aller sur une autre planète. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est peut-être une des révélations de toute l'astronomie et de toutes nos recherches. Les distances sont beaucoup trop considérables. Michel Mayor a reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte en octobre 1995 de la première exoplanète, c'est-à-dire d'une planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et depuis cette date, ce sont des milliers de ces planètes qui ont été découvertes. Avant cette date-là, il y avait très très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la découverte des exoplanètes. Bon, voilà, la découverte a tout d'un coup lancé, c'était l'allumette qui a fait démarrer tout ce champ de recherche. Et actuellement, c'est simplement une merveille que de voir la diversité des systèmes planétaires, des planètes qui sont de lave, des planètes d'océan. Grâce à l'étude de ces milliers d'exoplanètes, les astronomes commencent à comprendre comment leur atmosphère peut évoluer avec le temps. Actuellement, les recherches sur les atmosphères des exoplanètes nous montrent la diversité de l'évolution des planètes et même que l'évolution dépend de tout petit détail à certains moments de la vie. Et donc, on prend conscience par l'étude des exoplanètes de la vulnérabilité de notre propre atmosphère. L'étude des exoplanètes nous montre des cas particuliers de situations où le climat est parti de travers. Alors, si jamais sur notre Terre, l'atmosphère devait devenir irrespirable pour l'humanité, est-ce qu'aller ailleurs sur une de ces exoplanètes est envisageable? Les distances sont beaucoup trop considérables. Ça rend, j'espère, l'homme suffisamment conscient de ce fait-là pour dire on doit protéger cette terre.